Eh bien, yo tout le monde, c'est Mathis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 3. Je vais vous présenter un truc super cool. Vous voyez, il y a eu le nouveau truc, Sucker Punch. Qu'est-ce que je l'ai ? Non, je ne l'ai pas eu. Eh bien si, j'ai eu le jaune, le vert, le bleu, le rouge, le violet. Et donc là, j'ai fait une présentation de... Il y a juste cette classe-là, là où j'en ai pas mis. Enfin, je vais vous présenter tous les camouflages que j'ai qu'il y a. Je mets des... Là, j'ai mis une arme au hasard. Ah, c'est stylé en bleu. Je vous dis pas comment je suis content. Je suis content, quoi. Voilà, on a créé une petite classe. Donc, j'ai mis sur la manoir. Bon, du coup, sur HVK, mais sur HVK, je vais peut-être pas présenter. Le Vesper, la Weevil, la BMP et la CUDA. Donc j'ai mis sur 6 classes, 5 on va dire. Les autres j'ai pas mis. Et on va vite faire une partie en MME tester tout ça. Les gars, je vous dis pas comment je suis content. Hein. Je suis content. En plus j'ai eu un nouveau cap pour brancher ma manette parce que le mien il mesurait la taille de mon doigt quoi. Il était tout rikiki. J'ai un nouveau chargeur. Et donc là en fait je suis trop content parce qu'en fait au début je croyais que c'était sur le season pass le truc. J'ai failli acheter le season pass. Mais c'est pas grave, au moins j'ai des cartes zombies. Du coup je vais vous présenter un peu ces cartes en zombie. Et du coup ça va être bien. Par contre je vous le dis, j'ai du mal à commenter en fait une vidéo. C'est très compliqué. C'est quand on joue et tout, on est concentré sur le jeu. Mais on oublie des fois qu'on est en... justement... en vidéo, quoi. C'est tout. C'est ouf audio. Volume général, un peu moins fort. Tiens, toi, tu meurs. Ils sont trop beaux. En fait, c'est vraiment des Dark Matter. Mais façon refait quoi. Toi tu bug. Oui, j'ai enfin débloqué Firebreak. En fait, je vous explique pourquoi je veux Firebreak. Parce que dessus, j'aime bien Firebreak déjà de base. Non, je suis mort. Maintenant, le camouflage violet qui ressemble énormément au Dark Matter. Moi je vous dis maintenant je vais pas galérer à me débloquer le Dark Matter vu qu'on l'a en sacré punch. Bon la VMP je sais pas la jouer. La Weevil que j'ai mis en bleu. Le bleu il est vraiment beau je trouve. Je pense il doit être un de mes préférés. Franchement pour ma part ils sont tous beaux. Bon je préfère un petit peu moins le vert ou le jaune. Parce que je sais pas, c'est pas des couleurs que j'aime trop. Et le violet en plus, je sais pas. C'est pas les couleurs que je vais utiliser par exemple dans la vraie vie sur un t-shirt quoi. Enfin, je peux pour. Mais genre, je vais pas mettre du violet sur. Justement mon t-shirt. Ah, j'ai tenté. Maintenant, le camouflage vert que je trouve très sympa aussi. Toi, je t'ai vu. Ce mec bug. Ouais, j'ai jamais joué à la Vesper. Et alors? Ok, la Vesper, je sais pas la jouer. La HVK que j'ai déjà présenté. Donc maintenant, ça va être la manoir en jaune. Enfin, le bleu, je le trouve très beau sur la HVK quand même. Petite collade des familles, ça fait plaisir. Me tire, ils doivent avoir un viseur thermique ou je sais pas quoi, mais bon. Allez, c'est bon, elle est partie, ça fonctionne là. Pourquoi je fais que des assistances? Toi, tu tues pas tout le monde, non? Je sais pas, manoir cette fois, RIP ma vie, j'ai changé de classe. En fait, ça c'est une classe, je vous explique pourquoi je l'ai créé. De base, c'était pour la prêter à un pote. Et en fait mon pote adore ce viseur. Oh, en jaune il est trop beau aussi. Sur la manoir ça rend trop bien.
Mais je pense sur la manoir, le truc qui doit le mieux rendre, ça doit être le rouge ou le bleu. Je pense. On va la reprendre parce que j'ai fait 0 kill. Mais ça rend les armes plus puissantes. Hein. Pourquoi tu me voles mon kill? Par contre, la manoir, je sais pas, d'habitude c'est mon arme, mais là. J'arrive pas à la jouer. T'as cru que je devais recharger, toi? Tu t'es reparti. Attends. Ah oui, je comprends. Dracon, viseur thermique, le mec il a pas de life. Ok, j'en étais sûr. Bon, bah, on recommence, on refait un petit tour. Hein. Pourquoi j'ai mis le silencieux sur la queue d'armes? Me demandez pas. Le camouflage, il rend l'arme plus forte. Je suis fort à la queue d'armes, je trouve. Toi, je te tue et tu respawns dans mon dos. Camouflage secret punch. Au moins il s'est pas allongé le mec, parce que je croyais que c'était un mec allongé. On va rusher comme des porcs. Oula, j'ai fait une fail. Ah non, le mec il m'a vu, je croyais qu'il regardait la bonne. Mais bon, pas grave. Pourquoi je lance toujours un tomahawk comme ça? Parce que j'ai l'impression qu'un jour je vais réussir à faire un kill. Pourquoi on me vole tous mes kills? Ça, c'est là que je fais un kill en vrai. Le revolf. Je croyais que c'était un allié, moi. Tu restes pas là. Me demandez pas pourquoi je campe, c'est ma vie. Je campe à la mitraillette. Je sais pas, mais cette map je l'aime pas, donc je campe dessus. J'ai lancé le tomahawk sur mon allié. Bande d'aveugles, y'a un mec là-bas. Ah, défaite. Pas grave, 16-12. Bah, RIP ma vie, quoi. Je vais refaire une deuxième game. Je vous jure que cette arme rend les armes plus puissantes. Ah, le mec qui était derrière. Ah oui. Ok. Pas grave. De toute façon, c'est ma vie de faire des défaites, donc... Je vais voir si j'ai eu les cartes zombies, parce que là, il y a un chargement pour un truc, je sais pas pourquoi. Je suis dans un rêve, là je suis pas en train de faire des vidéos et tout. Déjà ma connexion allait mieux depuis que ma PS4 a changé de place. C'est pour ça que je faisais plus de vidéos et tout. D'ailleurs je fais plus de live parce que les lives en fait, je sais pas, au moins je peux parler avec les abonnés. Parce que souvent dans les vidéos je me mets tout seul et tout. Mais bon, là ça fait plaisir. Je débloque un nouveau spécialiste, je passe niveau 46. Par contre mon prestige je le passerai pas, c'est mort, parce que revenir niveau 0 quoi, c'est 1, c'est un peu énervant. À chaque fois faire ça 10 fois quoi, moi je l'ai fait 2 fois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, quand même pour le camouflage en or là je m'en fiche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai bloqué un visa. Bon ouais, je le mets, hein. Écoute, mon petit firebreak, je t'achète. Alors, équipement tête, de quoi j'en ai? Oh, trop stylé. Ça fait penser au camouflage sur Rainbow que j'ai. Ah ouais, il y a ça, la même chose sur le corps. Moi, j'aime pas. Et c'est quoi? Ah ouais, bon, la tige. Ah ouais, moi, je préfère la danse, elle est grave stylée. Hop, on va voir un zombie du coup. Tan, tan, tan.
Un petit freeze du jeu? Non. Gagelbum, livre, kit d'armes. Comment on fait pour changer la carte? Je joue. Mode studio, partir. Livre de cuisine, Newton, kit d'armes. Ah, on peut améliorer les armes. Ah bah oui, comme ça, la fois. Comment on fait pour changer de carte? Ma studio, Google Bomb, je sais pas quoi là, Google Bomb, livre de cuisine, en prix. 200, laisse tomber, j'en veux pas de vos trucs. Moi je peux en acheter que deux. Gubblegum, là, je sais pas quoi. Mode studio. Ah, The Giant et tout. J'ai aucune carte là. Ah, c'est normal, elles sont en train de charger. Donc, moi j'aurais celle-là, je crois. Enfin, j'aurais les cartes zombies, quoi. Ça, c'est les cartes zombies un peu basiques, quoi. Du season pass, je crois. Revelation, c'est une nouvelle, je crois. Il y a quand même pas mal de maps qui ont été rajoutées. Ouais, donc, allez. On va refaire une petite partie. Ah, j'ai une idée. Partie perso. On va tout mettre en illimité. On va mettre ça classe à 17. Et je vous retrouve tout de suite en live. A plus. Attendez. A plus pour de nouvelles vidéos. Enfin, là, je vais partir direct en live du coup. Vas-y, je vous dis à tout de suite hein, du coup. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais des montages? Non, il n'y a pas besoin. Bon, je vais faire un live là, donc surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et d'activer les notifications, ça fait toujours plaisir. En plus, on est déjà à 120 abonnés, ce qui est énorme. Je remercie encore ZK Glitcher, c'est grâce à lui, parce que sans lui, j'aurais jamais atteint 100. La qualité de mes vidéos et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Likez, abonnez-vous, bah j'ai déjà dit, bon faites pas grave, faites le quoi, et je vous dis à la plus pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.